Samedi 18 août 2014, la place des fêtes d'Okonja a refusé du monde, comme pour tous ses grands jours. Ce jour, lui, marquait le lancement officiel de la troisième édition de la caravane culturelle d'Okonja. C'est fier d'abriter cet événement que l'édile de la ville a dit toute la satisfaction de sa population. Notre présence ici ce soir, c'est pour prendre part à la troisième édition de la caravane culturelle d'Okonja. À cet effet, je voudrais remercier le ministre Luc Oyoubi, fils du département et initiateur de la caravane culturelle. Cette caravane constitue pour nous un moyen de conserver et de vulgariser le socle culturel du département de la CB Bricolo. Elle permet de mettre en valeur notre moralité et notre éthique pour la connaissance des rites traditionnels afin de permettre aux générations futures de sauvegarder notre patrimoine. Initiative privée lors des deux éditions précédentes, la caravane culturelle d'Okonja est désormais une activité du nouveau-né dans la sphère associative lobicamoise. Oui, nous pouvons être fiers d'avoir fait évoluer notre idée. La caravane culturelle d'Okonja connaît désormais un essor et elle suscite admiration. La transformation de notre manifestation culturelle est le fruit d'une réflexion entamée par notre parrain, le ministre Luc Oyoubi, celui qui nous a confié ce bébé naissant. Dorénavant, la caravane culturelle est gérée par une association, l'association Caravane culturelle d'Okonja. Ce geste accompli par la coordinatrice générale du comité d'organisation, Lucette Oyoubi, a lancé les prestations des différents groupes. Dès le lendemain, le démarrage des éliminatoires cantonales a permis à la commission en charge des concours de sillonner les cantons Mounyandji, Loamilé-Lama, Sébé-Louri, Lékori et enfin les Kala. En cette même soirée, les populations ont eu droit à un spectacle des plus colorés avec les éliminatoires de la commune. Ce sont au finish 10 groupes qui ont tiré leur épingle du jeu, à savoir les groupes Fianza, Satyakala, La Différence, Obéi Junior, Rungouman, pour ne citer que ceux-là.